tout le monde, nouvelle journée, nouveau vlog. Je vais essayer de débarrasser la salle à manger et de changer parce que ça m'énerve. En fait, ma table, elle me prend trop de place et ça me saoule du coup. Donc, je vais voir comment je peux faire parce que là, ça m'énerve. Donc, je vais vous mettre en musique et on va essayer de ranger. Du coup, je vous ai pas dit, je crois. Je vous ai dit nouvelle journée. On est vendredi. Chouchou, il est bientôt en vacances. C'est vrai que je vous ai même pas dit quel jour on était. Tu veux jouer, ma grosse? C'est moi. Tu veux la bobale? Moi, je suis la bobale. Bon, allez, on débarrasse. Vois-tu, il descend toujours quand je filme. Je vais lui dire de faire attention à la caméra. La caméra. Cherche, elle est où? C'est pas marrant. Cherche où elle est. Logiquement, si tu l'as mis là-bas, c'est que tu l'as mis en dessous. C'est ça, elle est là où il y a Chloé. Ouais, ouais. Vous n'avez pas encore mangé. Il y a que Alex qui s'est fait un burger. C'est quoi ce midi? C'est soit burger, soit croque, soit... C'est pas grave, j'ai appelé à boire. On va se faire à manger à tout. Dans la nuit.
C'est à moi une question horrible. S'il vient tard dans la nuit sans poser de questions pour me voir, un petit peu mal. Parce que j'étais en train de faire. Non, mais. Moi, j'ai décidé de vérifier de qui il s'agissait. J'ai ouvert la porte et j'ai vu un homme jeune et vraiment beau. J'étais abasourdi. J'ai vraiment cru que c'était le prince charmant que j'avais attendu toute ma vie. Attends, mais là, mais c'est le pécho. Genre, pour l'instant, il va pas rentrer, tu sais. Genre, mais c'est si simple de pécho, faut juste que j'aille voir les gens. Mais en vrai, j'ai une voisine en bas de chez moi, elle est assez. Ouais, je sais pas, il aurait peut-être un truc dans sa voiture. Aller me mettre devant Cosette à 22h. On va voir si Christophe est content. Je sais pas. Ah, mais j'ai déjà une meuf. Mais il était du côté passager, on dirait. J'ai proposé des centaines de théories sur la raison. Il vide sa voiture, ça y est. J'en ai plus besoin. Il a voir des photos et tout. Je pense, t'es une meuf, t'es de la carte à mon enfant. Est-ce qu'on a besoin de d'autres informations? Tu veux de la pêche? Mais en vrai, non. Submergée. Bon, bah, du coup, je vous fais une gimmick. On attend voir la tête à chouchou. Il arrive, il est là. Attention! Nous étions tous les deux en train de nous regarder. Et je ne comprenais pas ce qui s'est passé ensuite. Est-ce que vous avez fait crac-crac? Non? Il regarde dans la boîte aux lettres alors qu'il y en a. Ah, c'est peut-être ses batteries. Ouais. Il n'y a pas de courrier, je viens de regarder. Ouais. Attention. C'est qui est en vacances? Je voulais voir ta tête si t'allais avoir un sourire ou pas. Ça y est, tu fermes la porte pour 3 semaines. Je prends congé quand j'ai pris ma douche et je reste là.
Bon, recoucou les amis, il est très tard, il est quelle heure? Il est minuit 42 et on va seulement s'installer. Du coup, bah, je ne vous ai pas pris beaucoup aujourd'hui. Je vous ai pris, en fait, je vous ai dit que j'allais ranger ma salle à manger parce que ça me saoulait. Et au final, on a tout changé. Donc du coup, je voulais vous faire une autre vidéo, mais je ne vous ferai pas une autre vidéo parce que je vous ai filmé que ça. Donc je vais vous laisser dans le vlog. Donc on a tout, j'ai tout rechangé, en fait. Enfin, de base, quand je vous ai dit je vais débarrasser, ça m'énervait parce que il n'y a pas assez de place, en fait. La pièce, elle est trop petite, tout ça. Et du coup, j'ai trié mon meuble noir, je vous ai montré. Donc je voulais le trier parce qu'il y avait un bordel dedans, pas possible. Donc je l'ai vidé complet, tout. Et j'ai commencé à trier les tiroirs, tout ça. Christophe, après, il est rentré du boulot. Bah, je voulais filmer, d'ailleurs, il était content d'être en congé. Enfin, là, il dit, je suis en week-end et après, les vacances commencent. Et du coup, Christophe, lui, a toujours préféré le salon au milieu et la salle à manger à l'entrée. Donc, il me dit, tu veux rechanger ou pas? Je dis, bah, j'ai pas dit que je voulais rechanger. Mais je dis, ça m'énerve, c'est qu'il y a trop de choses dans la salle à manger, en fait. Donc, tu vas doucement. Et tu retiens, on a tout rechangé. Bah, de toute façon, je vous ai filmé, donc vous l'avez vu. Bon, voilà, du coup, j'ai réinstallé l'arbre à chat. Voilà, on a j'ai déjà mis fauteuil et tout, hein, parce que pour dormir. Par contre, du coup, je peux pas sortir de là, parce que regardez où elle s'est mise. Elle s'est vraiment mise entre le canapé et... Voilà. Bah, du coup, on a remis le meuble noir, là, avec la télé au-dessus. Donc, c'est plus princesse qui est là. Bon, faites pas attention le bordel parce qu'il y a encore beaucoup à ranger. Là, du coup, bon, mon meuble, il est resté comme ça, mais j'ai juste changé. Là, j'ai mis mes plantes. Voilà. Là, j'ai laissé. Là, j'ai rechangé, du coup, vu que c'est plus la télé, j'ai remis mon imprimante, ma lampe, la photo de ma filleule. Là, j'ai remis les livres, mais je vais enlever les jeux ici, je pense, et remettre les livres. J'ai retrié en même temps les bacs. Du coup, princesse, elle est revenue là, dans la verrière avec Chloé au-dessus, hein, voilà. L'ordinateur, du coup, là-bas. Là, j'avais bien débarrassé la table, donc j'avais installé ma nappe, la nouvelle nappe. Et j'ai mis mes bougies au milieu, mais là, comme j'ai trié un panier, du coup, tout est sur la table. J'ai encore tout ça à ranger. C'est le bordel. Mais voilà. Là, ça fait quand même beaucoup plus grand, quoi. Voilà. Là-bas, c'est ma toile, du coup. Parce qu'elle est là-bas derrière, de base, mais du coup, j'ai dû la retirer parce que, avec la verrière, je peux pas la mettre. Mais c'est quand même beaucoup plus grand ici. Hein, donc, il y a plus d'espace, quoi. Et après, côté salon, bon, là, vous faites pas attention parce que j'ai mis les coussins des chipettes. Et demain, ça sera mieux rangé, je veux dire. Mais il y a vraiment que les deux fauteuils et la table au milieu. Donc, et j'ai remis l'arbre chaud. Mais donc, du coup, c'est quand même beaucoup mieux. La cuisine, c'est un bordel. Je sais pas si je vais débarrasser un petit peu, là, ou aller me coucher, puis on verra demain, mais... Qu'est-ce que tu regardes? Parce qu'il y a beaucoup de vaisselle et tout, hein. Et là, je sais pas ce qu'elle fait. Je sais pas s'il y a une mouche. Je pense qu'il y a une mouche. Là, c'est pareil. Parce que j'ai trié du tiroir, mais j'ai même pas fini de ranger. Donc, voilà, quoi. Ah, j'ai marché dans l'eau. Donc, voilà, du coup. Et puis, on a fait ça avec Chouchou jusqu'à presque 18h. Ah, il a été se laver et tout. On a fait ça quasiment jusqu'à 18h. On n'a même pas bu de café, rien du tout. Et ensuite, ma soeur, elle m'avait demandé si on passait. Mais bref, comme j'avais foutu le bordel et qu'on changeait les pièces, du coup, j'ai pas été. J'ai dit, c'est soit je viens là à 18h et puis on va dire jusqu'à 19h. Soit je viens après manger si tu veux faire un jeu, tout ça. Du coup, elle m'a dit, vas-y, après manger et tout. Puis après, elle me dit, maman, elle est partie. Elle était partie chez ma soeur faire un jeu là-bas. Je dis, c'est pas grave, nous on peut venir quand même. Voilà, il y avait ma filleule, son copain, donc ma filleule Laetitia, ma deuxième filleule. Parce que ma première filleule, elle était là, mais elle est partie, elle était invitée. Donc elle n'est pas restée avec nous. Donc il y avait ma filleule Laetitia, son copain Antoine, mon frère Sébastien, du coup, et moi, Camille, Alexis. Dado est venu avec nous, mais lui il fait pas de jeu. Et Mel, elle est venue avec nous aussi. Et on a pris Stella. Donc en fait, on a mangé, donc riz, poisson. On a sorti les filles. Non.
On a donné à manger aux filles, on a sorti les filles, j'ai fait à manger riz poisson, on a mangé. On est parti chez ma mère, chez ma mère, mais je sais même pas, il était quelle heure? Pas loin de 21h, je crois, je sais plus, enfin bref. Et ma mère, elle est revenue vers 22h, donc après, elle a fait un jeu, elle a été prendre sa douche et elle a fait un jeu avec nous quand même. Puis là, elle était repartie chercher ma soeur au boulot, ma soeur Vanessa au boulot. Bah, nous, on est parti du coup. Parce que ma mère, elle est partie, il y allait être minuit, et nous, du coup, à minuit 5, minuit 10, on est reparti, parce que, bah, voilà, quoi, on a arrêté de jouer, mais là, on avait marre. Donc, du coup, voilà, on est rentré, puis, bah, là, je vous ai dit qu'il était quelle heure, je sais plus, minuit 48, voilà, quoi, j'étais me rafraîchir, me mettre en pyjama, j'ai même pas enlevé mes bijoux, en fait, je me suis rafraîchie et tout, j'ai même pas enlevé mes bijoux, je vais les enlever après, c'est pas grave. Et puis voilà, j'ai installé tous les lits. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Tous vos commentaires me font trop plaisir. Vous êtes des amours, vraiment. Vous êtes trop gentils. Vous êtes adorables. Demain, on va aller certainement faire des courses en magasin. Parce que, ben voilà. À moins qu'on ferait un drive, mais je pense pas. Je pense qu'on va aller en magasin. Je vais regarder en magasin s'il y a du d'Aquin. Mais je suis pas sûre qu'ils... Enfin, bon, ils en vendent peut-être. Je sais pas s'ils en vendent à Leclerc du d'Aquin. Sinon, j'irai à la pharmacie pour Dado. Parce que il a mal à son pied. Il a genre comme un ongle à carner. Et j'ai dit, il faut qu'il trempe dans le d'Aquin, du coup. Mais on n'en a pas. Ma mère, elle en avait pas. En plus, c'est pareil. Moi, j'avais... Camille, elle avait eu ses ragnagna. Et il restait vraiment qu'une couche culotte, là, hein, comme nous, on achète. Et puis, bah, moi, comme ça a débarqué ce matin. Mais j'ai dit, là, j'ai pas été au magasin parce qu'on a tout changé et tout. Mais en plus, comme j'ai fait que bouger, j'ai dit, moi, c'est pas possible, je peux pas rester sans rien. Et je vous avais dit, on avait acheté les culottes de règles, mais franchement, moi, je les utilise pas parce que j'avais attrapé, comme je vous avais expliqué, un échauffement, là, ça, j'étais, mais toute, genre, brûlée sur le côté, ça faisait trop mal. Et Camille, là, elle a eu pareil la dernière fois avec sa culotte de règle aussi, donc, moi, je préfère plus l'utiliser, en fait. Mais du coup, je dis, bah, je suis pas dans le caca, parce que, voilà, j'aurais pas le choix, mais ça va, ma mère, elle en avait d'avance, et du coup, elle m'en a passé, parce que sinon, j'aurais dû, voilà. Pourquoi je vais sur Leclerc? Je vais voir sur Leclerc, mais c'est même si j'écris d'Aquin, il n'y a pas l'air d'en avoir, mais en drive quoi, en magasin, je sais pas s'ils en vendent ça. Au pire des cas, la pharmacie elle est ouverte jusqu'à 17h, pas loin de chez moi, donc j'irai en chercher. Ouais. Ou sinon on fera un drive demain. Peut-être je vais faire un drive, ça sera mieux. En fait, on voulait aller aller en magasin parce qu'on n'était pas sûr que le salaire soit arrivé. Hein, parce que bah voilà, hein, comme tout le monde, c'est la fin du mois, c'est compliqué. Mais je vois que là son salaire il est enregistré. Donc on va pouvoir faire peut-être un drive, ça sera mieux que d'aller en magasin. Je pense qu'on va faire ça demain matin avec Christophe, préparer un drive et puis aller chercher un drive. Ça sera mieux. Pas besoin de faire le magasin parce qu'en plus c'est un samedi. Et puis voilà, donc demain ça va être les courses, retour de courses, finir de ranger toute ma maison parce que j'ai le bordel. D'ailleurs j'ai demandé à Chouchou de regarder mon balai vapeur parce qu'il est cassé. En fait je l'avais mis sur au bord de l'escalier de la cave comme je fais d'habitude. Mais il était tombé en bas de l'escalier, mais du coup il a cassé. Et quand je vous ai fait la vidéo ménage hier, bah, je sais pas si vous l'aurez pas encore vu, je pense, je sais pas. Le truc il était déglagué, j'ai dit oh là là, c'est pas possible. Et du coup, bah Christophe il va regarder pour me le réparer parce que même si je l'utilise pas beaucoup, mais je l'utilise quand même et du coup ça m'embête quoi. Chouchou il m'a dit je suis en congé mais j'ai plein de trucs à réparer parce que son collègue il lui a passé son enceinte. Parce que bah, c'est une enceinte qui prend au boulot.
mais il l'a fait tomber, donc je sais pas ce qu'il a cassé. Donc elle demande à Christophe s'il pouvait regarder pendant les congés, parce que voilà, il sait que Christophe il aime bien bricoler, donc il va regarder ça. Moi je lui ai dit quand il est rentré, mon balai vapeur il est cassé, donc il va regarder ça. Camille, tu peux baisser un peu le son, chérie. Merci. Camille, elle avait récupéré le dernier ventilateur, mais il tourne pas. Au début, elle est obligée de le tourner à la main, et en fait, il tourne pas. Donc, il doit regarder le ventilateur à Camille. Je ne sais pas s'il est mort ou pas. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il devait réparer aussi? Il doit regarder le casque à Mel. À mon avis, ça va être mort. Le casque à Mel, en fait, vous savez, l'embout, il était resté... doucement. Il était resté dans le truc de l'ordinateur, pas de la tour. Donc bah voilà, le casque. Le casque Alex, je crois aussi qu'il y a un problème, je sais plus. Qu'est-ce qu'il m'a dit qu'il devait regarder encore? Bon, après normalement lui doit changer pendant ses congés ses plaquettes ou ses disques. Ses plaquettes, ses disques, je sais plus. Bref. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. Donc, mais bon, pour l'instant, c'est repos. C'est repos, mais il était content de rentrer à la maison et d'être enfin en vacances. C'est les vacances. Ouais. Il est enfin en vacances. Il va pouvoir... T'inquiète, il est rentré. Il avait fait un direct, tout s'est réveillé. Bon, là, il va se lever à 5 heures quand même. 5 heures, 6 heures, parce qu'il a trop l'habitude. Donc... il se lèvera tôt quand même, mais bon, c'est pas grave. Il va se reposer quand même, quoi. Il n'a pas besoin d'aller au travail, de à travailler, voilà. Hein. Bah, il va pouvoir se reposer déjà. Ah ouais, bah t'inquiète, il va bricoler. Hein. Il y a déjà plein de trucs à réparer. Hein. Bah, ouais, j'allais dire. Mais c'est le meilleur youtubeur. Son collègue au boulot, il a cassé son enceinte. Il lui a demandé s'il pouvait la réparer. Moi, mon balai vapeur, là, il est cassé. Parce qu'il est tombé à la cave. Toi, je sais pas, il voulait regarder ton casque. Alors, je sais pas si c'est ton ancien casque. Donc, souvent, c'est un truc qui est dans le casque. Mais il voulait regarder son casque aussi. Mais c'est l'embout, donc je sais pas s'il peut. Enfin, il y a plein de trucs à regarder. Qu'il a eu, c'est une station de soudure en fait. C'est pour faire toutes des petites soudures. Genre, t'as vu dans l'ordinateur, t'as plein de petites soudures et tout. Mais lui, il peut réparer toutes les petites soudures là. La quête, il va s'éclater. Voilà. C'est pareil, il avait... Ouais. Il a pris un autre truc, je sais plus c'est quoi, là. Il a emprunté quelque chose, un outil, je sais plus c'est quoi. Mais je sais pas pourquoi il a emprunté ça. Pour faire quoi, je sais pas. Ah si, c'est pour faire ça, la voiture, je crois. Il m'a dit. Je sais plus. Bref. Bon, voilà, quoi. Donc, je vais vous terminer ce vlog en blabla. Hein. Vous m'aurez vu un peu ranger, puis finir en blabla. J'ai filmé aussi les chipettes et les mémères aux endus, mais ça sera dans le prochain vlog chipette mémère princesse. Donc, en fait, il y a des fois, je veux pour mettre... parce que je mets à la suite les vidéos que j'ai filmées dans la journée pour faire le vlog, mais au final, après, je me dis, non, ça, j'efface. Parce que comme c'est les chipettes et les mémères, c'est vrai que je pourrais vous les montrer dans le vlog, mais je les garde pour faire un vlog spécial pour les... Chipettes et mémères comme vous aimez bien. Bon, je vois que pareil pour la question que je vous ai posée du coup pour les vidéos, vous m'avez dit de faire ce que je voulais. Je me doutais que vous alliez me dire ça. Hein. Et vous m'avez dit aussi que vous aimez bien ce genre de rythme en fait, les vlogs tous les jours. Et parce que beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, ça m'a fait trop plaisir. Ouais. Bonne nuit à Tal. Je t'aime, mon garçon. Il sourit mais il va pas le dire. Et beaucoup d'entre vous m'avez dit moi aussi je te kiffe, machin, ça me fait trop plaisir. Et en plus vous m'avez dit moi j'ai trop l'habitude d'avoir ta vidéo et du coup ça me perturbe si je regarde pas une journée ou si elle arrive pas à l'heure.
Et du coup, même hier, du fait qu'elle n'ait pas sorti la vidéo, parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a fallu, franchement, presque 10 heures pour charger la vidéo d'une heure, ça, voilà. Donc, elle arrivait ce matin à 11h30. Et du coup, ben voilà, il y en a beaucoup d'entre vous, voilà, ils attendent la vidéo à 18h. Donc, au pire des cas, ils regardent le lendemain matin quand elle arrive plus tard. Mais là, à 11h30, du coup, elle arrivait. Mais bon, c'est pas de ma faute. Bon, c'est de ma faute parce que j'ai fait le montage tard. J'aurais dû m'y prendre largement avant. Mais vous savez, c'est pas évident, en fait, hein, de... C'est pas toujours évident de se filmer, de vlogger, de vous montrer du contenu. Ça, c'est pas... Voilà. Bon, après, moi, je reste simple. Je vous parle et je vous montre vraiment ce que je fais. Et je vous dis ce que je fais et ce que je pense. Donc, voilà. Je m'invente pas une vie où je filme pas un truc exprès pour... Enfin... Vous m'avez compris, hein? Quoi, mon chéri? Le mec, il n'est pas aussi un mec cool, il est aussi un peu heureux comme moi. Ah. Regarde. Et. Donc, c'est pas toujours facile, ouais, de vlogger quelque chose d'intéressant. En fait, moi, je me mets à votre place, en fait, je me dis. Mais peut-être ils en ont marre de devoir parler ou de devoir faire la vaisselle, mais. C'est moi. C'est juste moi. C'est ma vie à moi. Je suis simple et j'aime parler. Voilà. Et du coup, ouais, voilà. Donc, filmer entre deux des parties, parce que y a des fois, du coup, je suis en train de faire quelque chose. Donc, je vous installe pour vous filmer. Mais moi, du coup, je fais ce que je vous filme, hein, forcément. Après des fois je fais d'autres choses et donc c'est pas toujours facile et en plus de ça je sais qu'après voilà j'ai le montage à vous faire donc le montage je revérifie toute la vidéo comme je vous ai déjà dit pour voir si genre une bêtise hein, mais si on aperçoit Matt faut que je coupe si je vais dire une connerie hein, si Maëlle elle passerait qu'elle est que en short et torse nu moi je coupe, il y en a élève hein, mais moi je coupe bref. Et donc je revérifie toute la vidéo. Des fois, je fais pas attention, hein, c'est déjà arrivé. Heureusement que j'ai des très bonnes abonnées qui sont là tout de suite à me prévenir au cas où il y a quelque chose. Et ensuite, du coup, il faut que je la télécharge sur le téléphone. Donc avec l'intro, etc. Donc ça déjà c'est long parce que du coup je peux pas utiliser mon téléphone parce qu'il faut que je laisse l'application allumée comme je vous ai déjà dit. De là, je fais. Je vais sur YouTube. Donc en fait moi je fais mon montage vidéo avec mon application. Dès qu'elle est enregistrée, donc elle se met dans ma galerie. De là je dois aller sur YouTube. Voilà. Je dois faire plus. Vous voyez? Je dois faire mettre en ligne une vidéo. De là je dois choisir une de mes vidéos. Je dois mettre le titre, je dois, si j'ai des trucs à mettre en description, tout ça. Je dois cocher plein de trucs et tout. Et là, elle se charge sur YouTube. Dès qu'elle est chargée sur YouTube, elle est en vérification. Donc, elle doit être chargée à 100%. Et ensuite, elle doit être en vérification à 100%. Dès qu'elle est en vérification à 100%, là, ça veut dire que je peux modifier, donc la mettre en ligne ou quoi. Et encore, il y a des fois... Si vous avez activé la monétisation, forcément, du coup, la monétisation, elle est encore en vérification. Donc, je vous explique pas comment c'est long. Et ensuite, il faut que je mette la miniature. Donc, il y a des fois, je fais seulement la miniature parce que, moi, je prends, en fait, genre là, je suis en train de vous expliquer un truc, puis je vais m'arrêter et je vais prendre ma miniature. Et moi, je pense jamais à faire ça. Donc, en fait, je re-regarde une fois ma vidéo en vitesse et je prends des passages. Où je fais des captures d'écran pour pouvoir faire ma miniature. De base, je devrais pas faire comme ça. Je devrais faire moi-même une miniature à part, etc. Mais franchement, flemme. Je vous le dis carrément, flemme. C'est pareil, regardez, pour, vous savez, acheter des appareils photo, comme beaucoup de youtubeurs ont, hein, avec le retour caméra. Parce que si un jour je filme avec un appareil photo, je veux le retour caméra. C'est sûr que la qualité de toi serait plus belle qu'avec un téléphone. Mais en fait, j'aimerais trop. Et dans un autre sens, j'aurais pas envie parce que qui dit filmer avec un appareil photo, donc avec le retour caméra et tout, ça serait trop top, la qualité, le son, etc.
Mais ça veut dire que je vais devoir faire mes montages sur PC. Alors là, du coup, ça va être encore plus galère. Parce qu'il va falloir que j'exporte la vidéo sur le PC que je fasse le montage. Donc, c'est une autre application. Donc, il faut que je me rappelle comment je faisais. Parce que je me rappelle plus. Je le faisais au début, mais je ne le fais plus. Et puis, bah, après, voilà. Bref. Je parle, mais vous m'avez comprise. C'est du boulot. Franchement, c'est du boulot. Il y a des fois, on peut croire qu'on se filme, hop, on claque sur YouTube et c'est fait. Mais non. Il y a du montage, il y a les miniatures, il faut couper certaines parties, il faut augmenter le son. Bah, quand je vous fais un retour de course, je dois à chaque fois arrêter, mettre les prix. Jusqu'à temps que j'ai arrêté de présenter l'article, j'arrête. J'avance un peu la vidéo. Dès que je représente un article, hop, je vais chercher le prix. Franchement, c'est vrai que c'est du boulot. Les retours de course, je changerai pas parce que j'ai toujours fait comme ça. Ça fait très longtemps que je vous fais comme ça, donc je continuerai comme ça. Voilà, chacun fait comme il veut. Hein. Il y en a, ils disent les prix en même temps. En fait, ils les écrivent pas. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus simple pour moi. Genre, demain, je vais revenir de mon drive. Je vous montre tout ce que j'ai acheté, je coupe et après au montage, bon bah là je vais devoir aller chercher chaque prix, chaque promotion, calculer les promotions. Parce que du coup, en fait, quand il y a des promotions, vous voyez, genre à Leclerc, vous avez les petites pastilles à côté comme quoi c'est une promotion. Et du coup, ça se met en fin. Mais genre, c'est écrit, je vais dire une connerie. Vous avez payé ça 3,75, et ça va être écrit genre moins 3,75. Bon, ça veut dire que c'est 2 plus 1 offert, c'est logique. Mais il y a des fois, genre, ça va être 3,75, moins 1,28, moins... Vous voyez, une connerie dans le genre. Donc, du coup, faut calculer. Il y a des fois, je calculais, c'était moins, combien de pourcents, etc. Maintenant, du coup, je vous mets le prix, genre, bah, j'ai payé, je vous dis une connerie, hein, 4,90 au lieu de 6,50. Vous voyez, je mets comme ça parce que, du coup, c'est tout des calculs. Et quand je retourne sur l'application, des fois, la promo, elle n'est plus dispo. Parce que, bah, j'ai une semaine de décalage sur les retours de course. Donc du coup, c'est pas toujours facile. Après, attention, je me plains pas parce que j'adore faire mes vidéos, j'adore faire mes retours de course, j'adore faire les montages. Mais c'est... Vous savez que je suis quelqu'un qui est jamais sûr de moi et qui stresse toujours pour un rien. Et voilà, qui doute toujours de soi, machin. Et du coup, bah, je me dis toujours si je suis en retard... Ils vont dire, elle n'est pas régulière, bah, si je fais ça, ils vont pas aimer, machin. Bon, après, quand je filme, honnêtement, je me pose pas la question de savoir qui va dire, oh, elle a une sale tête aujourd'hui, machin. Je filme ce que je fais, ce que je pense, comme je vous ai dit. Après, ça plaît pas, tant pis. Il y a certains youtubeurs qui, comme on a déjà dit, font beaucoup plus de vues, etc. Il y a des fois, on se dit, mais ils ont quoi de plus? Puis au final, ben, faut pas se dire, ils ont quoi de plus? Faut se dire, ben, c'est comme ça. Eux, ça marche pour eux, et puis voilà, c'est tout, c'est comme ça. Hein. Si nous, ça marche pas, ben, ça marche pas, puis c'est tout. Hein. On se prend pas la tête, et puis voilà. Hein. C'est la vie. On est aimé, on n'est pas aimé. Hein. C'est comme ça. Bon, allez, arrête de parler. Hein. Je pense que ce vlog sera assez long. Du coup, vous inquiétez pas, regardez. Elle est quand même là. Makimi. Elle a quand même trouvé sa place. Et il y en a une, par contre, elle m'a carrément volé la mienne. Elle est fatiguée, elle est venue chez mamie. Avec maman. Alors par contre, on est arrivé chez ma mère. Parce que j'avais demandé à mon frère s'il pouvait la prendre. Avec son chien. Bon, après, je sais qu'ils se sont déjà vus plusieurs fois et... Il y a des petits grognements, surtout de Stella, parce que Yuki, encore, elle vient la sortir, c'est tout. Mais Stella, elle est tellement froussante qu'elle grogne. On est arrivé chez ma mère, je l'ai gardée sur moi. Yuki, du coup, elle est venue la sentir, elle grognait. Mais elle tremblait, mais alors... Je pense que son cœur, il battait hyper vite. Elle arrêtait pas de trembler, elle tremblait. Je dis, mais calme-toi, je dis, t'es avec maman et tout. Puis au bout d'un moment, elle est descendue, elle a fait le tour un petit peu de la pièce à ma mère. Elle a grogné encore un peu sur Yuki, mais je veux dire, c'est tout. Bon, puis c'est tout. Hein. Elle était contente. Quand je lui ai dit, on y va, hop, elle était contente. Elle a mis sa laisse, elle est montée à la voiture. Elle était contente. Elle est venue avec sa maman. Mais du coup, j'avais mal au cœur parce que quand on s'est préparé, Daisy, elle était toute contente à la porte aussi. Parce qu'elle a dû se dire, bah tu t'en vas avec elle. Du coup, on va se promener, en fait.
Donc du coup j'ai dit à Camille, bah va la faire faire pipi toute seule Daisy, parce que elle était couchée. Puis j'ai dit comme ça je mets Stella dans la voiture et tout, et au moins elle dit rien. Mais quand on est revenu, elles m'ont fait la fête du coup, forcément. On est rentré à minuit. Et du coup, on a ressorti les trois en fait, comme ça, même Elsa et tout, elle était contente. En plus, comme je vous ai dit ce matin, j'ai eu un... Je sais pas, non, je vous l'ai pas dit. Je sais plus si je vous l'ai dit, je crois pas. Je sais plus. Que j'avais fait tout mon ménage à fond et que j'ai eu une grosse surprise d'Elsa aussi, je crois que je vous l'ai dit. Dans la cuisine. Donc là, on l'a sorti, voilà, à minuit, donc... mais elle a fait que pipi. Mais dans la journée, elle avait été dans le jardin, donc elle a peut-être été ferme dans le jardin. Parce que là, à chaque fois, on l'a sorti à 19h30 et à minuit, et elle a fait que pipi. Bref. Daisy, il n'y a pas de souci. Elle a fait tous ses besoins tranquillou. Bah, du coup, ma mimi, elle est heureuse. Attendez, parce que elle a retrouvé sa place. Mon zozo, elle est à mes pieds. Hein. Et Daisy, vous la voyez pas, mais elle est en dessous de la table. Et Mimi, elle a enfin retrouvé son petit fauteuil. Ça faisait tellement longtemps qu'elle n'avait pas dormi dans son petit fauteuil à côté comme ça. Je suis trop contente en fait. Elle a retrouvé son petit fauteuil. Par contre, en dessous du canapé, on n'a pas retrouvé toutes les vis qu'il fallait. Enfin, c'est des vis spéciales, quoi. Bref. On les a pas tous retrouvées. Et du coup, Christophe, il a dû mettre des vis normales, mais c'est des vis du coup pointues. Parce que les autres, ils sont quand même arrondis. Donc, là, je crois que c'est sur le petit fauteuil. Il a dû mettre. Donc, j'ai dit, ben, il faut que je trouve soit des vieux coussins ou des vieux trucs pour mettre dans les crues. Parce que ça arrive que les chats, ils veulent aller se cacher dedans. Mais j'aurais peur qu'ils se blessent avec une des vis. Donc, je vais rembourrer en fait les trous pour les boucher pour pas qu'ils les chipettent, elles y vont. En dessous du canapé. Non mais c'est en dessous, mais est-ce que ça fait des cachettes en dessous? Et des fois les chats ils y allaient. Et j'aurais peur qu'ils se blessent avec les vis, donc je vais rembourrer. Encore? Maman elle va aller, je vais peut-être à l'Action demain, je sais pas ce qu'ils en ont. Acheter le truc pour les mouches là. Vous m'avez dit, Christophe il en voulait. Avec les lumières bleues là, ça fait comme des petits chauffages là. Et Christophe, ça fait longtemps qu'il m'avait dit d'en acheter un, donc je crois que je vais en acheter un. Elles sont trop chantes. Je vais arrêter de parler, ça fait une demi-heure. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine, parce que vous allez voir ce vlog, je crois, dimanche. Ouais. Donc, je vous souhaite une bonne semaine. T'as compris, une couche. Je lis les commentaires, c'est vous êtes tellement des amours. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à demain pour le prochain vlog. Bisous les amis, je vous adore, je vous aime. Prenez soin de vous, profitez de la vie, profitez si vous êtes en vacances. Envoyez-moi du soleil, s'il vous plaît, parce qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont la canicule. Bon, je veux pas la canicule, hein, mais envoyez-nous un peu de soleil et prenez un petit peu d'eau si vous en avez besoin. Et voilà quoi, tout simplement. Et un jour, j'espère vraiment que je pourrai rencontrer plusieurs personnes d'entre vous. Ce serait top. Mais bon, comment faire, quand, ça serait, c'est compliqué. Mais franchement, j'aimerais trop. Bon allez, j'arrête de parler. 29 minutes, 26, 29 minutes, 27, 28, 29.